et situation t'es manque en main après-midi là côté gagnant et mon zone qui boulait sous commissariat le fait yo longé droite sous inspecteur Sourel responsable commissariat qui lui-même là t'a touillé un citoyen qui pote non Sadrak Norbon un mécanicien dans zone là n'a pas invité à coûter non sans ça et Jude Charles qui c'est président Kazek 5e section Pétionville Pernier qui expliquait que l'incident l'est arrivé dans l'occasion après une altercation bouche l'ouvrier entre des messieurs dans pompe gasoline Pernier 45 là elle dit victime n'a pas recevoir pour petit 3 cartouches dans tête n'a pas invité côté Jude Charles Effectivement, nous clairement identifier que c'est inspecteur qui commet un acte. Inspecteur, il était seul dans la machine. Comment ou même en tant que Kazek, vous comprenez ça qui passait dans la zone noire? Comment ça passait? Je pense que bon bagaille. L'enfant moto, il est avec petit monsieur qui n'a pas une licence ou bien quelconque, pas de moto qu'on finit. Même parce que le moment où les gens laissent à la brusque agir, au moins, vous êtes à maîtriser, mais au moins, pas trop dans la tête là, moi-même mal ou elle. En même temps, peignez sur une zone qui est assez développé. Je dis à la, je suis un gros gens, je suis un gros à la, chaque soir, bandit avec les gens qui prennent affaire, des autres, les commissariats, pas vraiment en action. Je souhaite que, le sac de là, pour envoyer un inspecteur, non seulement qui a capacité, qui a une communauté, et qui va nous foutre, qui a pas agi, qui a tiré balle, qui a tiré là. Jude Charles, c'est président Kazek Pernier, 5e section, commune Pétionville. Pour incident ça qui arrive après-midi à côté et ben Sadrak Norbrun un mécanicien dans zone mouri assassiné mon zone qui longe droite sous inspecteur Sourel responsable sous commissariat yo même yo boulé sous commissariat ça on l'autre perte pour pays d'Haïti, un incident qui arrivait après en bouche l'ouvrier des messieurs qui était en bas pompe gasoline, Pernier 45 ans. Et on dirait citoyen ça qui mourit en mécanicien, ne parler de Sadrak Norbon, l'État recevoir 3 cartouches au moins en tête, d'après sa président Kazek là, a fait remarquer. Gen l'autre promotion agent nan PNH la qui sorti qui entré nan unité police frontalière Polifront. C'est mon graduation deuxième promotion Polifront la qui gen la donne 240 moun parmi yo 30 femmes déroulées vendredi ça dans l'école police là sur route frais Polifront il gagne mission pour le surveiller et puis sécuriser frontières supporter agences étatiques et puis non étatiques renforcer coopération avec la police dominicaine c'est quelques parmi missions point qui dans mission Polifront là qui vient incontournable d'après ça DGPNH là Michel-Ange Gédéon fait qu'on a elle t'a profité pour dresser bilan positif opération unité ça déjà menée dans police nationale là on avait vu de côté Michel-Ange Gédéon dans micro Jean-Christ Nol prophète l'unité a été déployée dans les Mauves 8 janvier 2017 avec un effectif de 118 policiers. Un an plus tard, l'effectif a plus que triplé, 370 déployés dans les départements de l'Ouest, du Nord-Est et du Sud-Est. Elle sera déployée dans le département du Centre une fois que les infrastructures appropriées seront prêtes. Surveiller et sécuriser la frontière. Supporter les agences étatiques et non étatiques doit
immigration, etc. Renforcer la police locale, coopérer avec la police dominicaine, prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée, en passant par là, la traite de personnes, les trafics d'armes et de drogue, la contrebande, le terrorisme, etc. Telles sont les missions de cette unité. Un an plus tard, quel est le bilan de la police en d'autres termes? Est-ce que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Vous en jugerez vous-même. Durant les 11 derniers mois, cette unité a géré 31 dossiers impliquant 80 personnes interpellées. Au cours de cette même période, 170 enfants ont été interceptés et remis à l'esprit du bien-être social et du recherche. Je vous fais grâce des détails. J'aimerais souligner à notre force un fait survenu de la nuit du 5 au 6 juillet 2018. La police forte, supportée par la police locale de Wanamet, accompagnée du juge de paix, a intercepté un groupe de 42 personnes, incluant des passeurs et de 19 mineurs sans aucun document de voyage sur la frontière, dont la majorité sont des jeunes filles venant des quartiers défavorisés de province et de ses environs. Un cas classique de trafic d'êtres humains au regard du droit international. De ces individus, seulement 4 ont pu aboutir au jugement des infracteurs. S'agit-il de faiblesse de notre système judiciaire? La question reste posée. Je souhaite ardemment qu'il y ait cette synergie interinstitutionnelle, cette étroite collaboration entre la PNH en général, la PNH en particulier, et la justice de ce pays pour neutraliser l'action des criminels tant à l'intérieur du pays qu'à la frontière qui est le premier et le dernier point de contact de l'étranger avec notre pays. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la police forte, agissant de concert avec la droite département géographique du pays, a facilité des portants de saisie et a effectué 168 interpellations. Ces personnes ont été acheminées à la droite pour un paiement en règle de leur bon droit. Un cas important que nous saurions laisser passer sous silence, c'est que 8 jours après son déploiement à Wanamet, soit le 14 janvier 2018, la Polyfonte a intercepté 20 trailers de ciment dont le propriétaire voulait échapper au contrôle douanier alors que la douane était déjà fermée. Malgré toutes les diversations et collisions, ces contrebandiers ont été contraints de se mettre en règle avec la douane sans autre forme de procès. De plus, suite aux événements regrettables qui ont paralysé les activités commerciales à Malpas, la Polyfonte en moins le 15 jours, soit du 4 au 17 décembre 2018, a fait la conduite en douane et sous escorte de 196,464 camions de la douane de Malpas au poste de douane de Gantier, rapportant ainsi plusieurs millions de gouttes à l'État ici. La Polyfonte s'implique également dans la lutte contre le trafic de la drogue et d'Amafu. Pour cause, deux Amafu ont été saisis, l'une à Wanamet et l'autre à Gantier, au cours de laquelle une quantité de marijuana a été également saisie. Le dossier a été remis au BRPS et à la justice pour suivre. Ce document n'est que partiel. Vous voulez comprendre avec moi que le dossier est précoce. Il se développe très bien et est en parfaite santé. Nouveaux agents de la Polyfonte, bienvenue à cette unité à laquelle vous avez rêvé d'appartenir. Soyez dignes comme les anciens qui jusque-là ont voulu marquer leur passage par le beau et le bien. Mettez-vous ensemble et visez désormais l'excellence. La vie le long de la frontière ne sera pas toujours facile. Celle-ci va rendre votre tâche plus noble. Comptez sur moi. Michel-Ange Gédéon, directeur général de la police, Polyfronte, aujourd'hui la cérémonie a été déroulée dans l'Académie Police là sous haute frais. Polyfronte là déjà présent dans Malpas, Gantier, Moncabrit, et c'est ça. Et qu'on y a là, il y a mis des formations sous, il y a mis tout en phase sous formation et puis travail dans l'idée pour capable arriver à assurer protection toute zone frontalière, lutter contre criminalité, et c'est ça, directeur Polyfronte là, nous veut parler de Marc Justin, fait qu'on est, l'idresser lui-même tout un bilan positif pour action Polyfronte déjà posé. N'a pas plutôt écouté Marc Justin. En effet, le 27 décembre 2017, la PNH a gradué 116 agents et cadres de la Polyfronte qui sont déployés le 18 janvier 2017 dans le Nord-Est. Aujourd'hui, 28 décembre 2018, voici une deuxième cohorte de 240 policiers et policières qui sont déjà à l'œuvre dans les départements de l'Ouest et dans le Sud-Est. Pour mieux accomplir sa mission
La police agit tant sur la réflexion que sur l'action. Agissant sur la réflexion, l'emphase est mise sur la formation. Car nous sommes persuadés que dans vos éducations, dans vos normes, ainsi, nous avons conçu un curriculum de formation qui permet aux policiers de faire face aux défis auxquels ils font face quotidiennement. La police occupe déjà 3 hommes, Malpasse, Gantier et Bamonakata. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, plus de 50 camions et trailers de marchandises ont été saisis et entreposés à la douane pour suite administrative. Une coopération sans faille entre la police et l'IBES a permis d'intercepter 174 enfants qui pourraient être victimes de traite de personnes. Les défis et les obstacles relatifs à la lutte contre la criminalité organisée transnationale sont gigantesques et multidimensionnels. Pour rendre plus opérationnel la polyphone, on l'a permis à l'État de collecter des populations. Voilà, on a écouté Marc Justin, responsable à Polyfront, Nice Evans Paul, encourager acteurs politiques dans le pays d'Haïti pour prendre route dialogue pour retirer le pays dans la crise de Trouvelli. Toutefois, le coordonnateur général a vivement estimé sa pas de fait dans l'improvisation, mais c'est en fonction d'un bon agenda bien précis, bien défini. Evans Paul a participé matin à la rubrique Invité du jour sous Vision 2000. Diego Chalpon, compte rendu. Pour Evans Paul, dialogue politique en différents secteurs, c'est une nécessité pour retirer le pays dans la crise de trouver le Poukounia. Le coordonnateur général, c'est vivre la fête qu'on est, il n'y a pas d'autre volonté acteur pour faire dialogue là. Mais, ancien premier ministre sous l'administration Michel Martelly a posé toutes les questions sous vraie motivation chaque secteur. Pour lui, il y a une prédisposition dialogue là. Qui monde qui va le faire dialogue là? Est-ce que tout le monde a une nécessité dialogue là? Est-ce que tout le monde a le même intérêt dans le dialogue? Si le dialogue là, moun qui sous pouvoir ou le faire pour aucun des pouvoirs, moun qui n'a opposition ou le faire pour aucun pouvoir, le dialogue n'a pas marché. Mais si le dialogue là, objectif lui, c'est à reconnaître que il y a mal marché et que nous pouvons faire du fort pour nous mettre l'autre pour nous faire le marché qui tient, le dialogue n'a pas marché. Ancien chef gouvernement critique principalement le comportement de l'opposition radicale là, qui dit le pape chita avec le chef d'État. Et le monde dit tout, il n'y a pas le chita là, tel monde, parce que le monde, c'est le mal absolu. Nous entendons l'opposition. Dit que faut que le président Jovenel Moïse aille. Mais on ne peut pas faire ce dialogue là, déjà qu'il y a priori, il faut un tel là, il faut un tel pas là. Même Jean, bah ouais, comment on ne peut pas faire ce dialogue, comme on dit faut André Michel pas là, mon gris a pu de lui dans la rue pas là. C'est pas un dialogue entre amis. Evans Paul Kouali, pas normal, pour avant même un dialogue là, pour un groupe déjà demandé pour Jovenel Moïse Rache Mayokli. Monsieur Paul Kouepitou, ce dialogue là qui peut déterminer si pour le président aller avant l'air ou pas. Aucun dialogue là, maintenant, où dit le président Jovenel Moïse pas là. Peut-être que le dialogue là qui a demandé pour le pas là. On mettait tout le bagage sur la table là, même pas qu'à faire exclusion préalable. Annonce dialogue politique ça dans le mois de novembre passé, c'est une preuve échec État généraux sectoriel nation 1. Evans Paul, une même institution ça qui ne peut admettre État généraux, c'est un gaspillage de ressources. Quoi pays a cap inspiré des résultats de travail comité pilotage à tel temps fait pour jouer une solution durable à la crise là. Comité pilotage là qui n'est pas capable de faire un travail extraordinaire, mais font travail quand même. Si on mettait sur la place publique, on a inspiré pour un changement qui fait. Si ancien premier ministre a dit qu'il y a une volonté acteur pour chita parler, mais il y a une contradiction qui gagne dans le processus là, câble à cause initiative dialogue là échoué. Diego Charles, Vision 2000. Merci Diego Charles. Ancien premier ministre Evans Paul estimé dossier pétro-caribéen, question réforme ou bien changement constitution. Ces deux principaux dossiers, autorité otadroit attaqué pendant l'année 2019 là. Ancien chef gouvernement dernier, fin mandat, Martelly a pensé tout. Il y a bon genre action concrète et puis pressé, otadroit entreprendre là pour regagner confiance population, améliorer conditions existence et puis assurer et un plus bon encadrement pour jeunesse pays. Coordonnateur général Centre Vivre Ensemble critiqué pendant ça programme socio-économique gouvernement Plastap implémenté pendant le cité parmi l'autre programme assainissement qui pote non crédit à terre avec ça qui pote non à terre plate. Ancien premier ministre Evans Paul le micro Marie Lucie Bonhomme au pont. Pendant même pas le son notre station radio, on dit ni grève ni trêve
mais preuve. Ça me dit pas là. Nous autres vivons période preuve, là, on a dit que la baba rien. Preuve la baba, il est tellement baba rien, il finit, et puis personne ne va pas faire un bilan de qui ça preuve la dépoté, sinon que des conséquences négatives pour l'économie pays. Nous autres, quand des gens qui ont fait rêve, pour moi, bah, personne ne fait rêve, moi, peuple a pris rêve, le peuple a fatigué avec le laisser frapper, il prend rêve, mais trêve là, sont mauvais bagages. Là, tout fait rêve. Ça veut dire que, ou t'as poumé, ou prend petit tempo, pour aller commencer à poumé encore. Bon, nous, t'as poumé déjà, pas de rien. Si nous pensons poumé, on va le faire en bagage. Moi, dis, je dis, ni grève, mais preuve. C'est pour nous faire preuve que nous avons reconnaître le pays avec une majorité de monde là-dedans. Il faut que jeunesse la priorité. Il faut nous reconnaître qu'on problème pour nous améliorer la qualité de la vie de la population. Il faut nous reconnaître des nécessités pour nous mettre le peuple là en confiance. Il faut nous reconnaître les nécessités pour nous faire effort, pour nous créer l'espoir. Il faut nous régler en 2019 là, les affaires constitution. Il faut nous régler. On dit régler. Bah, tu organises, faut nous régler les affaires élections, hein, et faut nous résoudre les dossiers pétro-caribéens qui sont urgents, même si dans des dossiers pétro-caribéens, sont des dossiers de corruption liés. En plus, le monde là-dedans, on a des positions rétention contre tout le monde. Mais qu'on prend le monde, c'est hypocrite. C'est là comme d'autres monde qui vient mourir, et puis il y a un monde qui gagne la peine, il y a l'autre monde qui vient à pisser café, et puis il y a besoin de boire, et puis pendant le fond, il y a un fait domino pour un plaisir. On voit que dossier corruption, il y a des questions de bonnes dans la population, besoin de gagner information, la vérité sur comment comme la dépenser. Mais il y a un monde qui utilise pour dire l'autre bagaille politique, et là, il faut être dossier anti-gentil, parce qu'il y a un monde qui est vérité au besoin, mais ce n'est pas l'autre bagaille après clé. Alors moi, je pense que nos principaux défis pour l'année 2019, ces jeunesses-là qui ont besoin pour avoir une meilleure orientation, un meilleur encadrement, c'est ce qui a fait le pays. La qualité de la vie dans la population, tout problème gang qui gagne, c'est parce que l'État absent dans la population. Question de mettre le peuple en confiance, mon croit dans le pays. Parce que je dis à le patriotisme, il n'y a pas aucune sauce. Créer l'espoir, même si on est en misère, je dis à l'espoir que demain pourra le meilleur. Et puis, question de constitution qui sont l'autre source. Tant qu'on a une contradiction là-dedans, qu'on puisse pas être sûr de faire effort, mais qu'il faut nous mettre d'accord. Est-ce qu'on n'a pas menti? Est-ce qu'on a changé? Mais il faut résoudre le problème de constitution. Collectif 4 décembre, dit les souhaités acteurs, rendent compte de nécessité pour travailler en faveur, yon solution à crise qu'a brassé le pays. Collectif là, qui plaide pour une entente nationale, mandé l'autre fois encore pour tout le monde faire dépassement. Montrer yo ces bons gens patriotes par rapport à crise qui gagne. Jean-Aubert Argan, c'est coordonnateur collectif 4 décembre. Ces positions extrêmes ne sont pas des positions sages et salutaires. Où monde doit gagner opinion, où monde doit déterminer ce sage, mais ou pas capter carrément ou monter mieux en bloc. Et pour ne pas parler à l'autre là, vous n'irez nulle part. Nous allons à l'extrême, aucun même. Vous dites, papa, le négocier, papa, parler à l'autre. Vous prenez la sorte là, et bien ça va aller de mal en pire. Parce qu'il va être plus mal toujours. Et on n'arrivera nulle part. Donc il faut que vous compreniez en traitement ça, que rédissement ça, pas mais d'aucun côté. Si vous avez une opinion, il faut être homme d'État pour pouvoir s'asseoir avec quel que soit l'individu. Ou quel que soit le parti, pouvez-vous nous montrer que l'Inco Vléoéa, c'est l'Ictabo. Sachez discuter, sachez aller de l'avant, dépassement de soi, parce que c'est l'égocentrisme, c'est l'égoïsme des gens qui fait que la continue comme ça. Sinon, tout le monde a perdu. Nous pas capables de prendre des positions ravettes. Il faut que dépasser ça, capable de dépasser d'eux-mêmes. Il faut aller au-delà de ça. Se hisser à la hauteur d'un leader responsable. Savoir dialoguer. Pays au bord du chaos, si dialogue ça lui-même n'est pas arrivé fait, est-ce que vous estimez la situation socio-économique et politique, entre autres, à empirer? Il va arriver un moment où le jeu forcera à couper. Au niveau économique, au niveau social, ça va prendre beaucoup plus de temps de redresser la barque, parce que si nous mettons tout à coup ensemble, on est beaucoup plus vite et ça faciliterait tout le monde. Mais quand on fait des histoires comme ça et qu'on se met, nous décidons de mettre des statues carrément aux antipodes, donc ça va ralentir un progrès éventuel. En pile homme politique et un ensemble d'économistes dit que c'est mauvaise gouvernance autorité passée qui mène un pays à et dans la situation actuellement. Qui ça ou pensez que vous êtes supposé faire pour pallier à la situation ça? Eh bien, il faudrait que ces dirigeants-là, que ceux qui sont en place entendent et écoutent. Faites appel à ceux qui ont la science, faites appel à ceux qui sont du CERIAI, faites appel à ceux-là qui peuvent vous quitter. Il faut que nous connaissions que vraiment c'est la mauvaise gouvernance, c'est l'entêtement, c'est l'opacité.
qualité de la gestion qui a détruit le pays. Il faut que les dirigeants nous changent d'attitude, parce que ce sont des conseils salutaires. Il faut qu'ils changent leur façon de gérer. C'est une mauvaise gouvernance qui nous a amenés là, par un pétro-caribé qui traîne de la patte. Il faut qu'ils fassent du lest. Wap coûter